car nous sommes déjà très en retard. C'est fou ce que vous pouvez ressembler au défunt, vous. Ah ben c'est normal, je suis son gendre. Ça, vous pouvez pas le cacher. Oui, je voudrais bien commencer tout de suite. Avant, vous ne refuserez pas de prendre un verre avec nous. C'est-à-dire qu'il faudrait pas trop traîner, parce que j'ai mes lascars qui attendent. Tiens, Christo, je les ai envoyés à Luce pour qu'elle leur prépare quelque chose. Faut que ça mange des gaillards pareils, ils ont des épaules. Vous préférez prendre quatre costauds plutôt que six malingres. C'est plus avantageux pour la maison. Bon, écoutez. Ah, mais ça vous avez bien fait parce qu'on a tout vert, là. Vous n'êtes pas capable de boire deux verres de suite en société, hein. Mais c'est déjà le troisième enterrement de la matinée, hein. Et que du beau. Excusez-moi, monsieur. Pardon, je suis désolé de déranger. Il me semble que vous avez déjà vu quelque part. Ah, bah, la télévision. C'est le professeur Caron de l'émission Chirurgie Académie qui passe tous les mois. Ah, voilà. Et c'est possible, mais je crois que... Eh bien, regarde, comme ça, là, je vous connais pas. En fait, c'est surtout le profil, moi, qui me dit quelque chose. Cher monsieur, racontez-moi. Ça doit être passionnant d'être un gros banquier. Gros banquier n'est pas le terme exact. Disons que j'ai quelques grosses responsabilités dans une grosse banque. Vous savez, pour moi, qui suis un esprit simple, si vous prêtez de gros sous, c'est que vous êtes un gros banquier. C'est un gros banquier, mais c'est aussi un homme qui a beaucoup de travail et pour qui le temps, c'est de l'argent. Non, n'exagérons rien. Non, je fais partie de cette nouvelle génération qui sait profiter des plaisirs de la vie. Les voyages, la table, les arts, l'amour... Oh, c'est pas tout de rigoler. Mais leur tourne et je les connais, mes gaillards. Si jamais ils ont mis le nez dans une bouteille de rouge, ils risquent de plus pouvoir soulever une boîte d'allumettes. Vous avez raison, plus vite ce sera fait. C'est un moment tellement pénible pour tout le monde. Allez hop, le coup des pieds. Il faudra venir me voir à la banque, hein. Et si vous avez les actions, je vous conseillerais. C'est gentil. Ouais, je vous en prie, tenez, voici ma carte. Vous pouvez m'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et que dirait Madame Maréchal? Ah, alors, c'est-à-dire que je suis en instance de divorce. Oh, que comme c'est dommage. Oui, c'est difficile. Mais bon, écoutez, il faut que je vous laisse. Et puis, dans ces moments, je pense qu'il est préférable que vous restiez en famille. Je vous raccompagne. Avec plaisir, Ludovic, pardon. Monsieur, bon courage.